You think I can do my tent somewhere here? If you want here, you can go and do it. Okay, perfect. Voilà, nous sommes arrivés à Khénifra. Donc, bienvenue au Moyen Atlas. Vous avez vu la route. La batterie s'est un peu déchargée sur la route, du coup, j'ai que quelques images. Voilà l'Oued, la rivière. Alors, mission pour maintenant. Étant donné que j'ai passé mon couteau à Tom, à ton jeu, puisque Tom s'est fait choper à la douane et on lui a pris tous ses couteaux. Et donc je lui ai dit, bon ok toi, si tu vas jusqu'au Sénégal, t'auras plus besoin que moi. Alors je lui ai donné mon couteau, le seul que j'avais. Mais finalement je vois que j'en ai quand même besoin, parfois pour manger des fruits ou quoi, c'est plus simple. Ou même quand je fais le camping, il faut un couteau. Donc mission pour vous maintenant, on va dans le centre de Khénifra pour acheter un couteau et après on essayera de sortir de la ville parce que le soleil commence à tomber et donc il faut se préparer pour la nuit. Voilà, le centre est pas trop loin. Le monsieur qui m'a conduit jusqu'ici a montré le chemin vers le centre et vers les montagnes, donc là où on se dirige puisqu'on est... On est sur la nationale direction Marrakech. Et Marrakech, c'est pas pour maintenant, c'est pour tout à l'heure. C'est pour la suite du voyage. D'abord, il faut rejoindre la nationale vers Rachidia. Et on va continuer. J'espère que demain, on arrive à Rachidia, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce soir, il faut juste régler le couteau et trouver un endroit pour dormir assez calme. Voilà. Sinon, vu que ça fait 2 jours que je mange comme un roi, pour le moment j'ai pas du tout faim. J'ai de l'eau en suffisance. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va vite régler le couteau et on reprend la route. Sur la route aussi, on s'est arrêté pour prendre le café. Et 5 minutes après, le monsieur qui me conduisait s'est arrêté pour faire la prière. Donc c'est assez normal au Maroc. De s'arrêter sur la route pour prier. Moi je suis chrétien, de foi et pratiquant. Et franchement je respecte beaucoup les musulmans pour ça. Parce que prier 5 fois par jour, chapeau quoi. Le gars il s'arrête sur la route alors qu'il est en voiture. Parce qu'il a vu une mosquée, il a vu que le soleil tombait petit à petit. Et il s'est arrêté pour prier.
Moi, en tant que chrétien, je suis censé aller à la messe tous les dimanches. J'essaye de le faire le plus souvent. Mais je vous avoue que parfois on fait la fête le samedi et le lendemain, dimanche, t'as juste envie de rester chez toi. Donc même une fois par semaine, aller à l'église et prier un peu, c'est pas évident pour moi. Surtout quand on fait la fête le samedi. Alors que voilà, il y a des musulmans qui prient 5 fois par jour. Et ça ne les dérange pas d'être sur la route ou loin de chez eux. Ils le font quand même. Donc pour ça, vraiment grand chapeau quoi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait respecter. Souvent on a une image assez mauvaise de l'islam. Mais une fois qu'on rencontre les gens et qu'on apprend un peu plus les coutumes, on voit de quoi il s'agit. Et souvent, je suis désolé pour les musulmans européens, mais souvent, avec l'immigration, l'image qu'on a, c'est pas du tout la même. Les gens ici, ils sont complètement différents. Je dis pas que tout le monde est mauvais, hein, mais voilà, il y a aussi le problème des médias qui nous montre aussi que les mauvais côtés. On sait bien, hein, de nos temps, avec le terrorisme et tout ça, c'est pas évident. Mais voilà, c'est juste pour dire que moi, en tant que chrétien, je respecte énormément parce que je trouve que une foi aussi forte, faut l'avoir, quoi. Alors que ici, c'est tout à fait normal. Franchement, chapeau. Bon, allez, j'approche du centre-ville, donc je vais couper et on se voit tout de suite. La mission accomplie, on a le couteau. Bon, j'ai acheté une petite merde de Chine avec je sais pas comment on appelle la partie par laquelle on tient, en plastique. Vraiment un truc produit en Chine de merde. J'ai payé 3 dirhams, donc l'équivalent de 30 cents. L'équivalent, c'est qu'il coupe. Moi, je fais pas du survival complet, c'est juste pour si j'achète un fruit ou quoi, ou découper les cartons aussi parfois. Donc, il fait l'affaire. Souvent, que les gens qui voyagent en autostop essayent de dépenser le moins possible, que ce soit pour le transport, pour le logement, pour la bouffe et tout ça. Si c'est votre kiff, franchement, genre survival à fond, je dépense que dalle, faites-le. Mais moi, je vous invite quand même à avoir de l'argent sur vous parce que, de 1, si moi personnellement je trouve un endroit qui est louche mais dans lequel je dois m'arrêter, je sais pas si mon montant avec le vent, mais donc je disais, si je trouve un endroit qui est louche mais dans lequel je dois m'arrêter et que la nuit dans un hostel ou quoi coûte dans les environs de 5 maximum 10 euros, et ben franchement je préfère payer 10 euros que perdre tout mon matériel ou qu'il se passe quelque chose de mal. Ça, c'est de 1. De 2, vous n'allez pas apprendre aussi bien le pays sans argent, parce que ok, on est là pour les rencontres, pour voir le pays, mais si vous voulez goûter à quelque chose, putain, je sais vraiment pas si on m'entend avec le vent parce que ça souffle fort, mais en gros, si vous voulez acheter quelque chose pour goûter, eh ben il faut, c'est jamais des sommes énormes. Si vous vous arrêtez, ben je vous fais l'équivalent. Il y a plein de vendeurs de pastèques sur la route parce que c'est la saison. Le kilo de pastèque est à 3 dirhams, donc 30 cents. Faites le calcul, comparé avec le prix chez nous. Franchement, c'est que dalle. Et pour goûter un peu les spécialités et les fruits de saison, c'est vraiment sympa. De 3, même si on voyage en autostop, ce que je trouve normal, c'est de remercier les personnes. Et donc c'est déjà super sympa qu'elles s'arrêtent et qu'elles nous prennent gratuitement pour faire des kilomètres. Parce qu'ils pourraient ne pas s'arrêter, hein. Ils pourraient en avoir rien à foutre, nous demander de l'argent. Mais les personnes sont tellement sympas qu'elles nous prennent pendant 100, 20, 200 kilomètres.
Et je trouve ça toujours sympa de remercier autrement qu'en donnant de l'argent. Par exemple, le monsieur qui m'a pris tout à l'heure, on s'est arrêté pour boire un petit café. C'était hors de question qu'il paye, quoi. J'ai été payé avant lui pour lui montrer que voilà, c'était quand même sympa de sa part de me prendre. Et voilà, la raison pour laquelle moi je voyage quand même avec un peu d'argent. Et je vous invite de faire de même parce que voilà, les gens aussi, ils sont sympas avec nous et il faut leur montrer qu'on n'est pas là juste pour profiter à fond. Je trouve ça con de prendre un sac avec full bouffe alors qu'il y a moyen avec une petite somme de se débrouiller ici sans devoir dépenser dans les restaurants et dans les endroits super chers. Je sais pas dans quelle direction je vais aller demander le chemin. Ah oui, aussi une raison pour laquelle c'est pas mal de prendre l'argent, ben vous voyez, j'avais besoin de couteau. C'est vrai que j'avais pris un couteau tout au début du séjour de la Belgique, mais finalement un couteau qui coupe ici 30 cents. Les choses sont vraiment 10 fois moins chères. Donc prenez le moins possible dans votre sac. Moi j'ai, comme vous voyez, un grand sac et franchement je trouve que j'ai au moins 10 kilos de trop. Vraiment, 10 kilos de trop. Prenez le moins possible. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a toujours moyen de trouver sur place 10 fois moins cher. Surtout dans les villes moins touristiques comme ici. Enfin bref, j'éteins. On se voit tout de suite parce que je dois demander le chemin. How did you find Morocco? It's really nice. Yes. It is my second time in Morocco. Ah, yes. But first time with autostop. And I like a lot. The people are really nice. Okay. And you think I can do my tent somewhere here? Okay, perfect. It's perfect, yeah. Okay. And you're sure it is no problem? It's no problem. Yeah? C'est pour ça que j'aime bien les gens de la campagne. J'arrive en plein milieu de nulle part, en plein milieu de la montagne, et je demande est-ce que je peux dormir pour ne pas déranger quelqu'un. Et les gars, ils me ramènent tout près de la source. Donc il y a de l'eau qui coule ici. C'est juste parfait pour la nuit. Si je veux faire ma soupe ou quoi. Et demain, même demain, ici j'ai de l'eau dans ma bouteille. Et je suis dans le champ du gars qui m'a ramené jusqu'ici. Donc il m'a dit tu peux dormir ici, faire ta tente, il n'y a aucun problème parce que c'est le champ de mon papa. C'est juste trop beau, quoi. Bon, je me dépêche pour faire la tente parce que le soleil commence à tomber et après on se voit pour vous montrer un petit truc, soit demain matin, je vais voir. En tout cas je monte la tente encore. Ah oui. Et la route que je comptais prendre, apparemment, il n'y a presque jamais des voitures qui passent là parce qu'elle est trop dangereuse. Il n'y a que des motos qui y vont, soit à pied. Donc je ne sais pas si demain on fait une marche de 30 km ou si on retourne à Azrou, mais ça, ce serait con parce que ça veut dire qu'on remonte par le chemin qu'on a pris.
Mais il faudrait essayer de rejoindre la nationale, direction Rachidia. J'espère que ça va pas prendre toute la journée. De toute façon, si j'arrive le soir à Rachidia, c'est déjà pas mal. Vous avez vu? Je dors près des figuiers. Cool, non? Enfin bref, à tout de suite. On a été chercher de l'eau à la source, qui se trouve par là-bas. C'est de l'eau potable, hein. Dans les montagnes, vous trouvez beaucoup d'eau potable. Apparemment, c'est un endroit où les gens s'arrêtent pour prendre l'eau. Je sais pas si on voit parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Voilà. Alors, vous savez ce qui est le plus cool? Je vous montre tout de suite. J'ai laissé mon truc d'eau ici pour prendre de l'eau. Voilà. Regardez. Il y a de la menthe qui pousse. Il y a trois sortes différentes de menthe apparemment. Elles ont des feuillages un peu différentes et l'odeur aussi est différente. Peut-être que demain on se fait un petit thé. En attendant. On ne sait jamais, ça peut servir pour le campement. Huh?